Coucou, c'est Maïlys010 de nouveau. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette toute nouvelle vidéo qui sera sur la préparation de Halloween. Voilà pourquoi j'ai mis le fond noir. Ce sera pour la préparation d'Halloween dans le jeu Nintendo Plus Cats sur 3DS. Vous pourriez voir mes petits chiots, donc ça n'a pas changé du tout. Bah voilà. Ali. Abby, la plus brillante. Et Mimosa. Donc entre-temps, en fait, ils ont grossi tous, ils sont tous dodus. J'ai réussi à faire venir Abby et Mimosa, sauf que Ali est toujours aussi dodu. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour vous sachiez. Donc en fait c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce qu'en fait j'ai pas réussi, en fait, j'ai réussi à la mettre en ligne, mais les commentaires étaient désactivés, donc je ne comprenais pas pourquoi les commentaires seraient désactivés. Donc bah, c'est la deuxième vidéo, mais du coup quand je la mettrai en ligne, celle-là, il n'y aura qu'une vidéo sur la préparation de Halloween. Ouh là là. Alors elle bouscule tout le monde. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc je vais vous dire ce que je compte leur mettre comme accessoire, ce que je leur donnerai comme à manger, enfin voilà. Bon, déjà je vais voir s'ils sont propres, assez propres, elles propres, voilà. Donc déjà au niveau nourriture, si je peux dire. Donc déjà pour Halloween je compte du coup leur donner du lait, voilà. Et pour changer, je leur donnerai pas des boîtes parce que les boîtes c'est plutôt le matin et pour Noël. Je compterai leur donner du premium. Voilà. Je compterai leur donner ceci, du lait et du premium. Donc après ça dépend quand je tourne la vidéo. Enfin, je pense que je la tournerai dans l'après-midi. En fin d'après-midi peut-être, je sais pas. Ensuite, bah, comme friandise, bah, du bœuf et bah, ça, mais il faudra que j'aille faire du podomètre. Et que j'aille chercher des friandises pour leur donner. Donc on pourra jouer avec eux évidemment, voilà. Et au niveau des accessoires, je comptais mettre donc des colliers à clous, rouge et noir, avec les chapeaux d'Halloween, voilà, comme ça. Donc pour les colliers, en revanche, je comptais mettre, je pense, le collier rouge à clous pour Abby. Et les deux colliers noirs pour Mimosa et Abby. Non, le collier rouge pour Abby et les deux colliers noirs pour Mimosa et Ali. Voilà, pas pareil. Et donc avec, évidemment, le chapeau d'Halloween. Donc il y en a qui font différemment, ils mettent des toques. Ils mettent des casquettes, mais moi, ou ça encore, ça peut faire Halloween, mais j'aime pas trop. En fait, je préfère mettre le chapeau, vraiment le chapeau, pour que ça fasse vraiment Halloween et petites sorcières, parce que moi, c'est des petites sorcières, mes petites chiennes là. Voilà. Et donc, aussi l'intérieur de la maison, donc vous pouvez voir, donc c'est rustique, parce que bah, du coup, il y a la cheminée et tout. Mais sur des vidéos, j'ai vu que les gens changeaient leurs appartements et leur mettaient en style tatami. Donc je vais vous montrer en style tatami ce que ça peut donner. Mais moi je comptais garder. En fait, j'hésite à garder ce style-là pour Noël. Mais j'hésite aussi à le garder pour Halloween. Parce qu'après tout, on est en octobre, fin octobre, donc voilà. Donc style rustique. Voilà. Vous voyez? Et il y en a qui mettent ce style pour Halloween. Donc je ne sais pas trop. C'est vrai que dans les fonds, les couleurs, ça fait plutôt Halloween. Mais je ne sais pas trop. Alors que celle-là, ça fera plus Noël. Remarque que celle-là, pour Halloween ou Noël aussi, elle m'a l'air pas mal. Celle-là. Celle-là. Bon, ça fait plus été, je trouve. Après, il y a luxueux. Oh non. Marvel encore moins, futuriste encore moins non plus. Donc je ne sais pas trop quel appartement je vais choisir pour faire la vidéo de Halloween. N'hésitez
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel appartement vous préférez, enfin entre le tatami et celui que j'ai. Et sinon, bah, bien, si vous n'avez pas d'idée, bah, je trancherai et puis bah voilà, tant pis. Voilà. Au revoir tout le monde, bisous.